les autres. Tu tiens à mourir, voleur ? Sers-toi de ta langue, ou je vais te la faire manger ! Eivor, viens donc voir ça. Ah, cette vilaine souillure et ses amis ont cru pouvoir attaquer Ravensthorpe. Et les autres, sont-ils morts ? Certains, oui. Beaucoup se sont enfuis. Ils n'ont pas fait trop de dégâts, mais ont volé certaines choses. Veux-tu que je prévienne Ranvi ? Non. Elle a déjà assez de travail. Je vais m'en charger. Ainsi tu te croyais de taille à jouer les Vikings, petit homme. Tu es prêt à aller jusqu'au bout ? Tu ne tireras rien de moi, vermine danoise. Je ne parlerai pas ! Vermine norvégienne. Et qu'est-ce qui te fait croire que j'ai envie de t'entendre ? Je préfère peut-être te voir souffrir. Coupe-lui la jambe. Et pas besoin d'une coupure nette. Ne t'embête pas à aiguiser ta lame. Non ! Pitié ! Laissez-moi ma jambe ! C'est Sir Edward qui voulait vous voler ! Il nous a tous payés ! Sir Edward ? Le comte de Westerna ! Du moins, c'est comme ça qu'il se présente. Il dit qu'il déteste les Vikings, surtout vous. Et où peut-on trouver ce Sir Edward, comte de Westerna ? Je n'en ai aucune idée. Je devais vous voler, puis rejoindre le navire, à l'ouest de Ravensburg. C'est tout ce que je sais. Tu peux l'amener à Ranvi maintenant. On pourra peut-être l'échanger contre un port. Moi, je vais aller voir ce navire. Sonia dit vrai à propos de ce lieu. La peur fait dire la vérité.
On dirait qu'il préparait une attaque déguisée en homme de notre clan, pour qu'on nous accuse. Les Saxons ont dû voler ce navire. Ils arborent notre bannière, mais ne savent pas placer les boucliers. Cette tenue est encore en bon état. Je vais la reprendre pour le clan. Ce fut un massacre plus qu'un combat. Leurs blessures sont très précises et familières. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a tué les sentinelles? Pas moi, en tout cas. Tu oses plaisanter? Tu riras moins quand tu devras répondre de ton incompétence devant le comte Edward. J'aimerais beaucoup le rencontrer, ton comte Edward. Capitaine, je crois que c'est un vrai viking. Soumets-toi, Danois! Tu es pris! Jette tes armes! Je suis de Norvège. Et vous allez mourir pour avoir sali l'honneur du clan du Grand Corbeau. À n'en pas douter, tu es bien du clan du Grand Corbeau. Je m'appelle Roshan. Et nous avons un ennemi commun. Sir Edward. Le comte de Westerna n'est qu'un pantin, manipulé par une certaine Alcilla. Un nom digne de sa nature chafouine. Elle appartient à un ordre qui emploie la duplicité et la discorde pour parvenir à ses fins. Ton clan est pour elle un outil. J'ai déjà eu affaire à de tels fauteurs de troubles. Et à ceux qui s'opposent à eux. À mes yeux, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Laisse-moi te mener à l'endroit où tu pourras te venger du comte. Je te suis. Si pour cette Alcilla l'honneur de mon clan est une arme, elle apprendra vite qu'elle est à double tranchant. Contente-toi du comte. Et laisse-moi, Alcilla. Cette tâche convient peut-être mieux à quelqu'un de jeune, qui connaît mieux ce territoire. Je tuais les siens alors que tu t'étais encore ta mère. La mort du comte l'amènera à se montrer. Je m'occuperai du reste. Cette lame que tu as sur le bras, d'où la tiens-tu? C'est un cadeau. De mon frère. Vraiment? Est-ce qu'il est... Un grand voyageur, et un guerrier, qui a découvert beaucoup de choses. Et la tienne? Reprise après une longue absence. Les années que j'ai passées sans elle ont été les plus dures de ma vie. Tu ne manques pas d'endurance pour quelqu'un de ton âge. Et je ne cherchais pas à te manquer de respect en te proposant de tuer... Ma lame n'est ni rouillée ni émoussée. La force brute dont je peux manquer, je la remplace par la discrétion. Moi aussi, je suis silencieux quand je le veux. Tu fais peut-être merveille parmi les tiens, petit. Mais j'ai une vie d'avance sur toi dans ce domaine. Que sais-tu du comte Edward? Pourquoi en veut-il tant au clan du Grand Corbeau? Il vous reproche la perte de son titre et de ses biens. La terre même où se tient aujourd'hui Ravenstorp. Elle était à l'abandon, cette terre. À attendre que quelqu'un s'en empare. Qu'il s'en prenne à ceux qui étaient là avant nous. Peu importe à ses yeux. Il déteste tous les vikings et travaillera pour quiconque cherche à vous discréditer et à vous chasser d'Angleterre. Thank you.
Nous verrons mieux du haut de cette tour. C'est là que sont installés Alcilla et le Comte. À Ravensburg, rien de moins. Mais leur arrogance les perdra. Lord Alcilla a permis de renforcer les défenses. Ce ne sera pas chose facile d'y entrer. Difficile pour certains, peut-être, mais pas pour moi. Sais-tu ce qu'il y a derrière ces murs? Si je te décris ce que je sais, pourras-tu te le représenter en pensée? Je peux faire mieux que ça. Sinine ! Écoute bien. Les Saxons de l'enceinte extérieure manquent de discipline. Ils comptent sur leur tenue viking pour passer inaperçus. Ils ne remarqueront pas un viking de plus dans leur rang. Je pourrais utiliser la tenue prise sur le Saxon mort, près du navire. Parfait. Autre information importante. Des Saxons mènent des tâches qui t'aideront à passer inaperçus. Et le Comte, où est-il? Au centre du campement, où il joue à entretenir une cour. Mais en réalité, Alcilla le tient en laisse, comme un roquet affamé. Il faut que la mort du Comte soit aussi bruyante que voyante. Un tumulte qu'Alcilla ne pourra ignorer. Une approche discrète, mais une fin tapageuse. C'est là ton conseil? Ton esprit est-il capable d'équilibrer deux idées contradictoires, tout en assurant cette diversion? Je pourrais tuer ce Comte de 100 manières, tout en composant un chant pour cette occasion. Tu as une préférence? En extérieur, sous cet arbre. Approche en silence. Puis tue-le, sous le regard de ses hommes. Cela fera sortir l'araignée. Je vais offrir un spectacle qui réveillera les dieux eux-mêmes. Bien. Vas-tu passer à présent la tenue prise à cet imposteur saxon, pour mieux te mêler aux autres? Ce déguisement m'aidera à jouer les imposteurs. Je vais trop vite, je risque d'attirer les soupçons.
Montre-moi ce qu'il y a plus loin. J'ai besoin de ta vue, mon ami. Tu as vu cette étrangère, Alcilla? Elle dirait oui que je dirais pas non. Elle te couperait plutôt en tranches. De toute manière, elle quitte rarement. Elle te couperait... Sois mes yeux, Sinine. De toute manière, elle quitte rarement sa hutte. Qu'elle garde bien fermée, d'ailleurs. Cet endroit est bien gardé. Je dois redoubler de prudence. Thank you.
que rapportent ces attaques de vikings, je reprendrai mes terres et nous vivrons comme des rois. Nous ne devons pas montrer notre jeu avant que mon plan ait porté ses fruits. L'or et l'argent nous reviennent de droit. Mais tous les écrits doivent aller à Alcilla. Allons-nous laisser les Danois prendre nos femmes et labourer nos terres? Ouais, on va leur montrer à ces Danois. Combien allons-nous encore laisser ce bateau vomir une cargaison de Danois? Oui, bravo le comte! Voilà le comte. Pour relever. Ça, fuyez, lâche! Et que je ne vous revoie jamais! Retiens ton bras, puissant guerrier! Je t'offre tout ce que j'ai donné au comte, et même plus! Une armée plus vaste que toutes les autres! Un royaume qui dominera! Voilà qui est fait. Par Freya, tu es aussi bien malgré tous ces printemps. Tu m'as offert un grand spectacle. J'ai cru voir Hel, la reine du monde des morts, en personne, qui descendait de cet arbre. Je pense l'avoir ressenti dans mes os. Ça n'avait rien d'agréable. Serais-tu... Je vais bien. Mais cette gloire aura un lourd tribut. Ainsi, ta destinée est désormais accomplie. Vas-tu emprunter un chemin plus paisible? Alcilla n'était qu'un obstacle sur une longue route. La récompense du jour, rien de plus. Je l'ai pris après avoir tué cette sorcière. Qu'est-ce que c'est? L'avenir. Une graine à planter à Jérusalem. Alors, les Nornir n'en ont pas encore fini avec toi. Y a-t-il même une fin? Et toi? Es-tu satisfait d'avoir exercé ta vengeance? Mes plus grandes satisfactions, Roshan, sont que l'honneur du clan du Grand Corbeau soit sauf. Et que les miens ne craignent plus rien. Cela sera le cas, tant que tu seras leur champion. Adieu, Eivor, ami des loups, du clan du Grand Corbeau.
me demande si j'en saurai un jour davantage sur elle.